excellent week-end. Ça s'est bien passé aussi la séance, la petite séance abdo-gainage avec Cam. Donc aujourd'hui, on va attaquer la semaine avec une séance jambes, d'accord, spéciale jambes. Au niveau des temps, il est juste au niveau du temps, après qu'on a cherché, j'ai cherché un petit peu quelque chose qui change un petit peu. Donc en gros, c'est assez simple, assez basique. En gros, on aura 4 blocs, d'accord, 3 blocs de 10 minutes. Donc chaque bloc en fait de 10 minutes sera fixé sur un muscle. Alors attention, hein, à prendre avec des guillemets, d'accord. Un muscle en particulier, d'accord. Donc par exemple, sur le premier bloc de 10 minutes, ça sera plus au niveau des quadris, ok, ainsi que de l'explosivité, d'accord. Le deuxième bloc de 10 minutes, lui, ça sera plus au niveau des ischios et également un petit peu au niveau des fessiers, d'accord. Et le troisième bloc de 10 minutes, ça sera plus au niveau des mollets et un peu vivacité, ok. Le dernier bloc, lui, ça sera un bloc, alors je ne dis pas les temps, d'accord, mais en gros, on reprendra un peu tout ce qu'on a fait dans les trois blocs précédents, ok. Et on mixera tout ça et on va faire quelque chose de dessapé. D'accord. Donc évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, parce que je dis, on travaille un muscle, enfin, on travaille pas un muscle, d'accord. Vraiment, on va dire qu'il est plus sollicité que le reste, d'accord. Donc du coup, si on attaquait, bloc de 10 minutes, donc vous allez voir, ce sera 2 minutes d'effort en non-stop et 30 secondes de récup, ok. Donc là-dessus, on aura en gros 3 exercices. Le dernier exercice, simplement, on le fera une fois sur une jambe, une fois sur l'autre. Premier exercice, tout simple, vous connaissez, on va partir sur les squat jumps, hop, tout simple comme ceci, d'accord. Deuxième exercice, de la chaise contre le mur, tout bête, d'accord, c'est basique également. Et enfin, le petit dernier, là on viendra s'asseoir sur la chaise, on l'avait déjà fait celui-là dans une dernière séance. Donc là, on viendra s'asseoir, on va venir se mettre uniquement sur une jambe, et on va venir pousser, on s'assoit, on pousse, on s'assoit, on pousse. Donc, 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre. Ensuite, 30 secondes de récup, d'accord. Et rebelote, on fait ça sur 4 tours. Pour ceux qui ont un peu de mal avec les impulsions, simplement sur ce premier bloc, vous enlevez les impulsions. D'accord, les squats, on part sur les squats. Et là-dessus, on vient juste se relever, hop, ici, on s'assoit et on squat. Ok. Au niveau du matériel, je ne vous ai pas dit ça au tout début. C'est assez basique, on aura besoin de 2 bouteilles d'eau. Et deux bouteilles d'eau, une chaise et enfin un élastique. Alors moi j'ai pris un élastique band, après ça sera simplement un repère pour poser au sol. Donc après vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez, mais pas quelque chose d'épais. D'abord quelque chose qui soit assez fin. Et puis voilà. Donc j'espère que c'est tout bon. Vous avez tout compris. On attaquera sur le premier bloc de 10 minutes. Là ça va faire du bien de travailler un petit peu ses gambettes. Si vous voulez pas déjà travailler ce week-end. Vous êtes chaud? Allez, attention, 3, 2, 1, stop! Allez, c'est parti! Donc, on part sur des squat jumps à chaque fois. Donc, là, du coup, sur cette séance, on repart sur quelque chose d'un peu plus basique par rapport à la semaine dernière. Voilà, donc là, c'est là qu'on va travailler une petite explosivité. Bien évidemment, ce sera beaucoup moins cardio que la semaine dernière. Attention! Et top! Ensuite, on va escalader contre le mur. Hop, en chaise. Donc là, c'est classique. On maintient. Voilà, on reste bien concentré. Allez, il restera encore quelques secondes. On s'accroche et top, on vient switcher. Et là, ça enchaîne tout de suite. Du coup, une jambe puis l'autre. Donc là, déjà, vous pouvez sentir que sur les quadris, ça chauffe un petit peu. Attention, et top, on va switcher, ça enchaîne tout de suite. Allez, voilà, on vient vraiment pousser, voilà, on va pousser avec cette jambe là, vers le haut, bien en verticale,
Allez, on s'accroche. On maintient ça. Et top. On revient souffler. Donc là, on a nos 30 secondes. On est tous passés. Voilà, soufflez bien, buvez un petit coup si vous voulez. On attaque dans un peu moins de 10 secondes. Allez, si vous êtes chaud, attention, top, c'est parti. On part sur les squat jumps. Allez, top. On switch. Et allons-y. Allez. Alors, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui n'arriveraient pas à pousser, on va simplement se relever. Voilà, sans impulsion. Ah, mais je veux vraiment que ça brûle au niveau du quadril. Voilà, ça, c'est important. Voilà, sentir vraiment qu'on vient travailler. Et ne pas s'arrêter à ce moment-là. Allez, top! On switch. Allez, on s'accroche. Attention. Et top. Switcher. La chaise. Bien calé. Voilà, on s'accroche. On est bien là, hein. On est super bien. Allez. 5 secondes. Et top, on vient switcher. Allons-y. Allez, encore. On va pousser, on s'accroche, on continue comme ça. On va faire brûler. Allez, top! On switch. Allez, s'enchaîne. Allez, on tient le bon bout là.
Et top. Wow. Et ben, troisième tour de passé, on aura le petit dernier. Vous allez voir, les 10 minutes ça passe vite là. Ça va vite. Allez, attention, vous êtes chaud. Et top, c'est parti. Allons, une dernière fois chaque exercice. Allez, toujours bien propre, toujours bien régulier sur ces mouvements. Voilà, on retient ça. Allez, encore. Allez, attention. Et top. On switch. Ça enchaîne. Allez, on le tient. Il reste même pas 10 secondes. Attention, et top. Allons-y. On est parti. Allez, juste ce jambe gauche. Ou droite en fait. Hein. Tout dépend comment vous allez démarrer. Ça n'a pas d'importance. Allez, on essaie de rester explosif. Voilà. Même si je sais que c'est dur, je vais venir pousser vers le haut. Allez, et top. On switch. Les 30 dernières secondes. Allez, encore. On donne tout. Voilà, jusqu'au bout. Encore, 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 encore. Et top. Ok. Allez, buvez un petit coup tranquillement. On se reprend. Les ischios, on vient pousser, d'accord, faire le lever de bassin.
C'est bon pour tout le monde, donc pareil, hein, 2 minutes d'effort non-stop, 30 secondes de récup, on a 4 tours. J'espère que vous êtes chaud. Hop, hop, hop. Allez, attention. Et top, c'est parti, allons-y. Donc là, on a escalier. Voilà, donc commencez par la jambe que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Alors, on est toujours bien à s'équilibrer. C'est vraiment juste pour s'équilibrer. Ah. Après, c'est vraiment plus du renforcement musculaire, bien évidemment. Pour ceux qui diraient oui, mais c'est pas cardio, c'est nul. Tout ce qu'on veut, c'est transpirer. Après, voilà, c'est chacun ses envies. Hop. Mais pensez bien que du renforcement musculaire, voilà, c'est important. Donc, vous pouvez gagner en explosivité, allez progresser un peu sur le cardio, bien évidemment. Allez, top! Donc là, on passe tout de suite vers l'avant, toujours le dos droit. Hop, on revient. Donc, pas de mouvement d'épaule. C'est vraiment le bassin qui amène. Hop, et qui roule. Donc, vous pouvez fléchir légèrement les jambes. On n'est pas complètement trop tendu. Allez, top! Allons-y! Là, on enchaîne tout de suite. Hop, on vient pousser. On ne touche pas le sol. Allez, on maintient ça. Bien souffler vers le haut. Allez, top! On souffle tranquille. Ok. Bon. On se reprend un peu. Dans 30 secondes. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient faire une variante, vous pouvez très bien rester aussi en fente. Hop, voilà. Des petites fentes comme ceci. Hein. Ça fonctionne très bien aussi. D'accord? On varie un petit peu. Allez, top, c'est parti, allons-y. Voilà. Et là, au moins, l'avantage, on va dire, de ce mouvement, c'est vraiment de progresser aussi sur le mouvement de fonte. Voilà, d'être bien appliqué. Voilà, restez bien gainé au niveau du buste. Bien stable, bien dans l'axe. Allez, attention, et top, on switch tout de suite. Allez, on s'accroche encore un petit peu. On y est presque. Et stop! Allez, allons-y. Donc là, je suis tout droit. Bien avant. Vous pouvez sentir au niveau des ischios. Allez, attention, et top! On vient switcher tout de suite et s'enchaîner. Voilà, donc n'allez pas trop vite également sur ces élévations de bassin. Le but étant de bien contrôler le mouvement au maximum. Bien les talons plantés dans la chaise ou sur votre support. Et top! On revient souffler. Oh! On se reprend. Tranquillement. Oh, on aura notre troisième tour.
sais pas si ça va toujours, hein, mais évidemment, voilà, pour jouer vite, beaucoup moins cardio. Hop. Allez, on reprend ses bouteilles. On met en place, attention. Et top, c'est parti. Allez, allons-y. Ça coupe comme ça, attention, top. On est switché. On enchaîne tout de suite sur notre jambe. Attention, et top, on enchaîne tout de suite, pensez bien toujours à votre mouvement, on va être toujours bien propre, on va vous ressentir. Attention, et top, on est switché et s'enchaîne tout de suite. Allez, on s'accroche comme ça. Ah, encore. On vient de terminer ce troisième tour. Et top, on laisse souffler. On se reprend, nickel. Oh. Allez. Dernier tour maintenant. Le petit dernier. Oh. Attention. Et top, c'est parti. Allez, allons-y. Nos dernières fentes. Voilà. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, à la fin, on va en faire un petit récap. Sur le dernier bloc, ça va être plutôt sympathique, je pense. Allez, top! On vient switcher. Allez, on va. Allez, s'accroche encore. Voilà. On vient concentrer sur nos mouvements. Allez, top! On switche, s'enchaîne. On descend bien plus en avant, pensez bien sûr à votre dos qui est droit. Les pieds seront ancrés au sol. Allez, top! On va switcher tout de suite. Là, on y est presque. Et top! On vient souffler. Nickel! Bon. Et bon, on est pas mal. Ok, deuxième bloc de fini. Terminé. Alors. Du coup, maintenant,
Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on partira sur un bloc de 10 minutes, d'accord, à nouveau cette fois-ci, plus pour venir travailler, on va dire, mollet et de la vivacité, ok, au niveau de son joue de jambe notamment. Donc attention, là pour celui-là, il y aura un petit peu plus de coordination, ok. Voilà, prenez pas peur, même si franchement je pense que c'est cool d'essayer, d'accord, et d'essayer de progresser là-dessus. Vous allez voir, c'est des trucs assez simples, ok, qui ressemblent un petit peu à une cha-cha-cha, à la danse, souvent on vous le dit, d'accord. Vous allez voir, de toute façon, chacun son rythme évidemment, et petit à petit on va progresser. Donc du coup, au niveau des exercices, là, ah oui, déjà on aura un tapping, d'accord, donc c'est là que vous aurez besoin d'autre élastique ou peu importe en fait, quelque chose de plat que vous pouvez mettre au sol. On va partir sur un tapping en gros, donc un pied va partir vers l'avant. Donc là, comme si vous veniez commencer à taper les pieds comme ça, et là, hop, on va chercher devant, hop, devant, hop, devant, hop, devant. D'accord ? Tout le temps avec un pied comme ça. Ok ? Donc ça, on se le fait sur 30 secondes ici. Et ensuite, hop, 30 secondes de l'autre côté. Donc comme vous avez pu voir, je suis tout le temps sur les pointes de pied. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok ? Donc 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et juste après, on enchaîne ça avec des petits sauts. Donc là, petit saut, petite impulsion. Pareil, tout le temps sur pointe de pied. Tac, hop, et on vient chercher comme ça. D'accord ? Et le petit dernier, donc du coup là ce sera ici, en fait c'est exactement le même exercice qu'avec les petits sauts, simplement on enlève l'impulsion, donc là on viendra chercher, idéalement même c'est de se mettre sur un support, d'accord ? Voilà, sur un step ce serait le top, si vous n'avez pas c'est pas grave, on va le faire ça. Donc là simplement on vient chercher vers le haut, on vient bloquer pendant une seconde pour descendre, hop, haut, et on contrôle comme ça, d'accord ? Hop, et on maintient ça, ok ? Donc voilà, donc en fait c'est le même exercice avec les petits sauts, simplement voilà, on fait guillemets, et simplement voilà, on va enlever l'impulsion, d'accord, et on contrôle bien, hop, sur le mouvement, d'accord. Pour ceux qui auraient du mal sur les impulsions, en fait c'est assez simple, donc gardez le tapping du début, d'accord, d'un côté puis de l'autre, et ensuite plutôt que de partir sur deux exercices différents, pardon, vous allez partir sur des élévations, d'accord, donc tout le temps sur la pointe de pied, ici, tac, tac. D'accord ? 30 secondes d'un côté comme ça et 30 secondes de l'autre. Comme ça, on enlève les petits sauts et on enlève l'exercice comme ça, mais c'est pas grave parce que vous allez le faire vraiment indépendamment, d'accord ? Un peu en unipodal. Ok ? Donc j'espère que vous avez compris un petit peu. C'est assez simple, assez basique. Voilà. N'hésitez pas à votre rythme, voilà, sur le tapping, d'accord ? À votre rythme tranquille. Voilà, au début, hop, on vient juste taper comme ça, d'accord ? Et petit à petit, après, vous pourrez accélérer. Voilà, mais vraiment chacun son rythme. Hop, hop, hop. Donc sinon au niveau des temps, c'est toujours pareil, 10 minutes, 2 minutes d'effort d'affilée et 30 secondes de récup. Ok. Et 4 minutes. Chaud patate. Allez. Attention. Et top, c'est parti. Allez. Donc là, vraiment, là le but, ça va être de venir chauffer au niveau des mollets parce que pendant 2 minutes 25, je peux vous dire que ça chauffe. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hop, il y a vraiment mon bassin qui amène aussi, qui vient bien aider. Tac, à venir pousser le pied. Voilà. Il y a toujours un pied qui vient tapoter. Allez, attention. Et top. Après, si vous avez une échelle de rythme, bah, c'est encore mieux. Là, pour le coup, vous avez de quoi vous amuser. On s'arrête pas, on continue comme ça. Allez, top. Donc là, on part sur les petites impulsions ici, d'accord. On enchaîne. Pour ceux qui sont sur cette séance d'impulsion, pensez bien à venir surélever toujours sur les pointes de pied. On pose pas le talon au sol. Allez, tiens ça. Alors pareil, là les talons se posent pas. Hein. Reste bien sur les pointes. Allez, là. Ouais, évidemment, c'est vraiment pas pareil qu'avec un support. Mais déjà, en enchaînant
Voilà. Trois exercices avant. Ça chauffe. Alors là, attention aux crampes. Et top. On vient souffler. On va switcher, souffler. Et on saute. Donc là, normalement, vous devez sentir que ça roule un petit peu. Les mollets, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, je crois pas pour tout le monde. On a l'habitude de bosser et pourtant, c'est quand même important. Alors, je sais qu'il y en a qui sont complexés de leur mollet. Donc, ce qui est normal, hein. Genre, voilà, on a tous peut-être un point faible, quelque chose qu'on aimerait travailler en particulier. Allez, attention, on repart là-dessus. Et top! Allez. Voilà, donc ça, c'est le genre d'exercice. Voilà, évidemment, on ne pourra pas perdre les mollets, donc on peut vraiment se tonifier. Voilà, se muscler un petit peu. Voilà, et gagner aussi en vitesse. Donc ça, c'est le genre d'exercice. Après, même sur la coordination, vous allez le gagner après sur les exercices cardio. Allez, top! On va switcher. On change.
Évidemment, plus vous allez venir bloquer par l'un et l'autre, mieux ce sera. Allez, top. On revient souffle. Oh. Là, ça chauffe un petit peu. C'est pas trop mal. Bon, en vrai, c'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on recherche. Et du coup, on aura le dernier tour de ce bloc. Dernier tour. Allez, j'espère que vous êtes chaud. Attention, on est en place. Et top, c'est parti. Allez, une dernière fois chaque exercice. Voilà, on termine notre cha-cha-cha. Là, ça fait encore plus cha-cha-cha. Vraiment.
Mathias. Attention, top. On switch. On enchaîne tout de suite avec la chaise. On est décalé. Allez, Mathias. Il reste un peu moins de 10 secondes maintenant. Allez, attention, top. On vient switcher tout de suite, donc peu importe la jambe sur laquelle vous attaquez, c'est parti. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, n'hésitez pas à venir poser le bassin, d'accord? Voilà, n'hésitez pas. Allez, top! Allons-y, on enchaîne. Allez, on va être. Allez, encore. On viendra terminer ce premier tour. Allez, attention, top! On vient switcher et ça enchaîne tout de suite. On reprend sur le tapping. Voilà, donc serré, écarté. Allez, on tient ça. C'est le même rythme qu'au début. Voilà, assez dynamique. Allez, attention, top! On enchaîne tout de suite. Bien concentré. Soufflez bien, tranquille, il reste un peu moins de 10 secondes. Allez, on s'accroche. Alors, on tient le bonbon, on y est presque. Et top, on peut venir switcher. Allez, tout de suite. Hop, ça enchaîne. Allez, encore. Voilà, on tient ça. Nickel. Attention, et top, on vient switcher, suite avec l'autre jambe. Allez, là on maintient, on y est presque. Et top, on switch, allons-y, allez, on enchaîne tout de suite, c'est le dernier tour maintenant, allez. Ah, allez, on tient ça. Allez, tout tombe bien sur les pointes de pied, bien sûr là-dessus, hein. On lâche. Allez, top! La chaise. Gagné. Dites-vous bien que là, il reste quelques secondes. Hein. D'effort. Vraiment, on va aller chercher. Tous le tenir. Allez, encore. Et top! Ah, ça enchaîne tout de suite. La dernière minute. Ah, encore un petit peu.
On s'accroche. On arrivera sur nos 30 dernières secondes. Allez, top. C'est parti, les 30 dernières maintenant. Continue à pousser. Allez, c'est ça. Là, on est bien. Contrôle. Encore. Et top, vous pouvez venir souffler. Et c'est terminé. Et bien, super. Voilà. Fini pour cette petite séance jambes. Voilà, un petit peu différente des autres. Des temps, mais aussi voilà, les exercices, l'agencement on va dire, des exercices. Donc, j'espère que ça vous a plu. Pour les séances prochaines, voilà, on verra, je vous laisse la surprise. Allez, c'est déjà, il y a déjà pas mal de choses de près. D'accord, mais je vous laisse la surprise. On vous tiendra au jus, évidemment, pour éventuellement faire un live. D'accord, comme je vous avais dit. Ça, on va se le faire, c'est sûr et certain. Et puis sinon, et ben, prenez soin de vous, d'accord. Faites attention, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Allez, bisous. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the door through ice covered in